Salut tout c'est Mine et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et oui, vidéo tant attendue, parce que vous avez vraiment kiffé l'épisode 1 où on a trouvé une Lamborghini abandonnée. Oui, je suis encore une fois dénicheur de voitures de luxe. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, il y avait un premier épisode où on a trouvé une voiture. Donc cette fois-ci les gars, on a des trouvailles. Il y a ma secrétaire qui m'a appelé, elle m'a collé, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit Unmin, ouais, allô, je lui dis allô. Elle m'a dit là, il y a du gamos. Elle m'a dit faut que tu trouves une voiture. Et c'est quoi comme voiture les gars, votre avis? On verra bien, mais en tout cas c'est une surprise. Elle m'a dit je sais pas, je peux pas te dire c'est quoi. On va découvrir ensemble les gars. En tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Et du coup on se retrouve tout de suite au garage. Ensuite on va prendre la dépanneuse et on va décaler directement dénicher des voitures de luxe. Parce que oui c'est parti, allez let's go, c'est parti. Let's go, pouce bleu, hein. Mets un pouce bleu à 5000 likes, on fait autre chose. Dans les commentaires encore, dites moi aussi hein, quel véhicule vous voulez pour le prochain épisode. Ok, du coup, c'est parti les gars, comme vous pouvez le voir actuellement, on est au garage. Et souvenez-vous, on avait trouvé quoi les gars? Une Lamborghini abandonnée. Donc entre temps, on a fait pas mal de trucs, pas mal de rénovations. Là, vous avez remarqué, on a acheté des roues pour la Lambo, parce que c'est vrai qu'elles étaient mortes, les roues de la Lambo. Et aujourd'hui, on a encore des missions à faire. Et bah, souvenez-vous, on a la Lamborghini, je l'ai garée devant. À chaque fois qu'on aura une nouvelle voiture, je la garerai devant. Mais je sais même pas si après j'aurai la place pour mettre toutes les voitures. Parce que je peux vous dire qu'il va en avoir des voitures. Parce que voilà, là, on a fait un épisode. On a même cette petite plateforme ici pour poser un véhicule. Je l'ai pas mis, parce que voilà, hein, je voulais la mettre ici, la Lambo. Du coup, voilà, la Lambo est toute neuve. Elle marche encore, hein, regardez, elle est là, elle est neuve. C'est magnifique, c'est génial, les gars. On a une Lamborghini, je veux dire. Qui rêverait de trouver une Lamborghini abandonnée? En tout cas, moi, oui. Mais là, cette fois-ci, on va essayer de voir pour trouver autre chose, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est parti. On va faire des voir déjà si s'il nous casse pas la tête et tout. Si on n'a pas d'émission ou pas. Ah bon, là, ici, centrale qui a les coups. Bonsoir. On a une voiture en panne à remorquer. Un boulot repéré, apparemment. Aller chercher le véhicule en panne. Ok, on a déjà une petite mission tranquillement pour commencer. Ensuite, on ira chercher la voiture. Alors, je vais vous montrer le secteur cette fois-ci parce que ça a changé entre temps. Alors, cette fois-ci, le secteur, c'est ici. Voilà, c'est ce petit quartier ici. Donc, apparemment, il y a une voiture secrète là-bas. On verra bien ce qu'il en est. On va y aller ensemble. On va découvrir tout ça. En tout cas, dans un premier temps, on a cette première mission tranquillement. On va voir ce que c'est comme véhicule. C'est vrai. Des fois, moi, j'aime bien. J'arrive, bam, je suis surpris. Quoi, il y a une grosse caisse d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme véhicule? On va stocker. Oh là là là, il est là, il est là, il est là. Il est en panne. Bonsoir. Hello. Allez, montez. Voilà, c'est parti. Let's go, il est monté. Attention, on commence toujours par des petites voitures. Hein. Comme je vous ai dit, je suis... Bon, par contre, le tracteur, il va avancer, il va pas me gêner. Hein, voilà. Hop. Et c'est bon. On a récupéré la voiture. Oh, comme par hasard, il y a le train qui passe au bon moment. Wow, shit. D'accord, nos premiers véhicules. Il est en train de me parler, je m'en fous complètement de ce qu'il me dit. Wow, le pare-choc, enfin le capot, les gars. What is this? Le capot, il est parti, les gars. Ce qui nous intéresse, c'est aller dénicher les véhicules secrets. Donc, voilà, c'est parti, on va déposer ça. Allez, 500$, tu descends. Ok, et c'est parti, on va pouvoir décaler, voilà, on pète les grilles, je veux dire les gars, on est riche, on a trouvé une Lamborghini abandonnée, plus rien ne nous arrête, on casse tout. Bon, en tout cas, on est reparti, entre temps, il fait beau, hein, c'est magnifique, et du coup, là, les gars, il faut absolument qu'on déniche cette voiture, les gars, il faut qu'on chope cette voiture, il faut qu'on chope une voiture de luxe. On va aller au quartier, je vais mettre le point, attendez, je vais mettre sur le côté tranquillement. Qui ne rêverait pas, les gars, être dépanneur, c'est-à-dire tu dépannes, bam, t'arrives dans un endroit... C'est un rêve, qui ne rêverait pas de trouver une Lamborghini? Non, pour accepter un boulot, appuyez sur L. Non, non, bon, on va arrêter les petits boulots. Nous, ce qu'on veut, c'est des grosses voitures, quoi. En tout cas, j'ai amélioré aussi ma voiture, hein, le camion. J'ai pu m'acheter un gros moteur, vu que j'avais, j'ai trouvé une Lamborghini. Bon, je l'ai pas encore vendu, mais j'ai des acheteurs. On verra si je la vends ou si je la garde. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, elle est pas mal. On va la garder, elle est belle, elle est jolie. En plus, c'est une très, très belle voiture. Et là, cette fois-ci, on arrive au quartier. On va voir. Ok, c'est parti les gars, du coup, on arrive dans le petit quartier. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de véhicules, il y a pas mal de trucs abandonnés ici. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des pneus, ouais, rien de plus. Oh, on a une voiture ici. C'est quoi ça comme voiture? Oh, ça m'a l'air d'être une voiture assez classique. Ok. On a pas mal de trucs ici, on a des caravanes abandonnées, bon rien de ouf. Ouh, là par contre il y a de la voiture là.
Là, il y a de la voiture. Alors, je peux faire passer la dépanneuse par là, peut-être. Ouais, je vais la faire passer par là. Ouh là 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 là, il y a un truc là-bas. Là, là j'ai vu là-bas là. Ouais. Bon, ça, on va péter, forcément. Oh shit! Oh, attendez, on a ça, mais on a ça déjà. Alors, ça, c'est quoi ça? Ok, c'est une voiture basique, mais attendez ça, les gars! Mais non! Oh my god, les gars, me dites pas! Oh non, 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 non! C'est un véhicule de police déjà, mais c'est. C'est une Bugatti, les gars! What is this shit? Oh my god, Bugatti abandonnée, les gars. Et oui, vous le voyez bien, c'est bien une Bugatti abandonnée. Attendez, je vais mettre en première personne. Ouais, là vous voyez mieux, voilà. Là vous voyez mieux. Ouais, regardez les gars, c'est une voiture de police, il y a des girons en haut. Est-ce qu'on voit bien l'intérieur? J'arrive pas à voir l'intérieur. Oh oui, là, c'est une Bugatti. C'est une Bugatti, les gars. Oh là là là, deuxième trouvaille après la Lamborghini. Une Bugatti. Alors je sais pas c'est quoi comme Bugatti. Je crois bien que c'est une Chiron, les gars. Je crois que c'est une Chiron. Ouais, je sais, hein, je respecte rien, les gars, je casse tout. Ok, c'est bon. Je l'ai pris, par contre, pour sortir. Ça va être compliqué de sortir, hein. Ça va être compliqué, les gars, faut pas qu'on la dégomme non plus. Ok, c'est parti, les gars. On a embarqué la voiture. Et du coup, let's go. On va aller custom ça. On va. Ouh là là, faut pas que je la dégomme non plus. Elle est déjà assez dégomme comme ça. Par contre, on voit que les pneus et tout sont bien. Ils sont bien dégommés. Ils sont limite creux. La voiture, elle roule pas, les gars. Regardez. Regardez la. Ah ouais. C'est une galère. Regardez ce que ça me fait. Quand je roule. Oh, je suis obligé de rouler doucement. En fait, elle part en couille. Et du coup, je pars en couille également. Waouh, je pars en freestyle total là. Non mais attendez les gars, je suis un dépanneur. Et regardez-moi ce que je dépanne, regardez ce que je trouve. Les gars, c'est une Bugatti. C'est une Bugatti, ça vaut je sais pas combien de millions. C'est des millions là que j'ai là. C'est des millions d'euros, les gars. Après la Lamborghini qui coûte à peu près 350-400 000, une Bugatti Chiron à 1 million. Ouais. Enfin dites madame, ça va aller, oui. Faut y aller doucement avec ce genre de véhicule hein, si on voit pas le... Faut pas que je fasse d'accident non plus, hein. On va respecter quand même les citoyens. Et regardez comment ils zigzaguent, les gars, c'est cheaté. Bon, on va y aller et on va se retrouver directement là-bas où elle est custom, les gars, le temps qu'on fasse la route. Ok, les gars, on est actuellement arrivé au LS custom. Oh my god. Ok, je vais me garer tranquillement, voilà, je vais me mettre là, je vais la garer juste ici, je vais garer ma dépanneuse. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'on a trouvé, les gars. Alors, c'est pas encore confirmé, hein. Ça a l'air d'être une Bugatti. Il y a le logo Bugatti dessus et tout. On va rentrer ça au LS Custom. A votre avis, est-ce qu'on va avoir une Bugatti ou pas? Est-ce qu'on va avoir une fake Bugatti? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Oh my god, les gars. Holy shit. Mais regardez-moi ce que je viens de trouver. Elle est incroyablement magnifique. Si vous kiffez les gars, mettez un like. Voilà, si tu vous le dis, si vous kiffez, mettez un like. Dites-moi en commentaire quel prochain véhicule vous voulez que je trouve. Bah tout simplement, que je cherche, j'essaie de trouver sur GTA les gars. En tout cas, là on a une Bugatti Chiron. Je vais la custom à fond les gars. Alors frein de course, moteur à niveau 4, klaxon, on s'en fout. Éclairage, on va mettre des éclairages, on va mettre Sport Lyon. Hop, on va mettre un petit ce qui va bien. Je pense un petit bleu. Un petit bleu, ça va bien. Plaque, on s'en fout. Peinture, couleur principale, mat. Oh, on peut changer la couleur. Oh, on peut mettre en mat ou en métallisé. Moi, je la préfère en métallisé. On va rester sur le classique, les gars. On va pas changer la couleur. Alors, suspension, ouais. Transmission, ouais. Turbo, bah oui, forcément, je veux dire. Roues. Alors, les roues, on va laisser, bah, jante de série. Hein. Je veux dire, ça va pas changer. Pneu, on va mettre, bah, pneu à l'épreuve des balles, ça c'est sûr. Et fumée de pneus, on va rester sur du... On va mettre du bleu, les gars. Ça va faire stylé. Fumée de pneus en bleu. Et on va mettre... non, je pense que... Je pense que c'est... Ouais, non, je pense qu'on est bien comme ça. Oh, shit. Mais regardez-moi ce que je viens d'avoir, les gars. C'est magnifique. Regardez, s'il vous plaît. Chiron, regardez le derrière.
Elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Je vous montre ça. 911 ici. Emergency. Oh là 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 là. Et regardez bien, c'est bien écrit à droite. Regardez. Bugatti Chiron. On va tester la puissance. Je vous fais écouter le moteur. Wow, regardez l'aileron, regardez l'aileron. Ah ouais. Non mais là je viens de trouver une perle rare les gars. L'aileron avec écrit police et tout. Oh là là. C'est trop, c'est beaucoup trop. On va la ramener au garage, c'est le garage qui est juste à côté d'ailleurs. Wow, par contre elle part un peu trop en freestyle je trouve. En tout cas la vitesse, c'est abusé. Je tourne un peu, hein, je teste les gars la tenue de route et tout. Franchement elle a une bonne tenue de route, elle freine plutôt bien. Je peux même aller sur l'autoroute. Ah en fait c'est l'aileron là, quand t'accélères il monte. Quand je freine, vous voyez, quand je freine l'aileron là, il monte. Bon, on va tester la vitesse. Wow, mais c'est cheaté, Bugatti. Je sais pas, je suis à combien, mais laissez tomber. Mais c'est trop, c'est trop, c'est beaucoup trop. Wow. Franchement, elle a une bonne tenue de route, hein. Elle a une très bonne tenue de route. Non, mais qui ne rêverait. Tu vois, par exemple, ça, à Dubaï, c'est normal. Ouais, je roule plutôt bien, les gars. À Dubaï, ce genre de voiture, c'est normal, quoi. Je dirais, nous, en France, on a des Mégane RS. Bah, non, non, non. Eux, à Dubaï, ils ont des Bugatti. Et bah, j'ai des potes qui sont partis à Dubaï, bon, moi je suis pas encore allé, mais il y avait des Bugatti les gars. En tout cas, pour un dépanneur, je m'en sors plutôt pas mal. Deuxième véhicule Bugatti Chiron, premier véhicule Lamborghini. Quoi de plus? Je veux rien d'autre. Voilà, je veux rien d'autre, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bon, par contre, il faut que j'aille la ranger dans mon garage. Tranquillement, on va y aller. Bon, en tout cas les gars, bah, j'espère que cette Bugatti vous a plu. Encore une fois, je le répète, mais dans les commentaires. Dites-moi bah, quel véhicule vous voulez que je mette et que je cherche prochaine fois. Ouh, la Lambo elle est juste là. On va la garer. Bon, voilà, un petit peu dégomme. Hein. On va attendre que. Bon, je vais la mettre sur le parking en attendant. Et vous savez quoi? Après, au pire, je la. Ouh là, par contre, faut se garer doucement. Voilà, je vais la garer tranquillement à côté. Ah ouais, c'est stylé. Non mais attendez, c'est quoi ce garage de riche que je vais avoir à la fin là? C'est trop là. Il y a les gyros et tout, hein, je vous montre quand même. Je vous ai pas montré l'intérieur, c'est vrai. Donc les gyros qui marchent bien. L'intérieur est tout simplement ultra méga magnifique et cheaté. Regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai dans mon garage. Peut-être que plus tard on aura une Ferrari, on aura des trucs. Encore une fois dans les commentaires, dites-moi quel prochain véhicule vous voulez que je fasse. Les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Unmin, le dépanneur dénicheur de voitures de luxe. Après avoir trouvé une Lamborghini, on a trouvé une Bugatti Chiron. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une Bugatti Chiron qu'on a eu. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je le répète encore une fois. Si vous voulez devenir membre et jouer avec nous sur PlayStation 5 et PS4, n'hésitez pas à vous cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre. Et vous avez pas mal d'avantages. Vous avez les logos en commentaire et tout. C'est pas mal de trucs. C'est vraiment sympa. N'hésitez pas. Vous cliquez sur le bouton rejoindre. Le lien dans la description. Ciao.